Salut, alors je suis sur un de mes derniers entraînements avant de partir à La Réunion. Alors qu'est-ce que je vais aller vers là-bas? Toujours pas la Diagonale, hein. Parce que plus je vais là-bas, plus je me dis bon, on verra l'année prochaine, hein, tellement c'est péchu cette course. Non, je vais aller là-bas pour suivre le Team Bretagne Ultra Trail et je vais essayer de vous retransmettre un maximum d'images de leur aventure. Bon, alors le Team Bretagne Ultra Trail, c'est qui, c'est quoi? C'est une équipe montée par Philippe Ewarn et Christian Lebrisoil, qui sont tous les deux des membres fondateurs et même très très actifs du Bretagne Ultra Trail. Et le Bretagne Ultra Trail, c'est quoi? Eh bien, c'est une course qui traverse une partie de la Bretagne, qui part du centre de la Bretagne et qui arrive sur la côte et qui traverse plusieurs départements bretons. Donc c'est un ultra trail qui a lieu en avril. Bon, il n'y a pas que l'ultra trail, il y a plusieurs distances, 50, 30, voilà, vous pouvez, il y en a pour tous les goûts, que vous soyez débutant ou expérimenté. Donc ça a lieu au mois d'avril, un trail que je vous invite à aller faire, qui est vraiment très sympathique, souvent en bord de rivière comme ça. Et donc ils ont monté une équipe composée de 10 coureurs. Alors c'est 10 hommes. Il y a eu un appel pour que des femmes aussi intègrent l'équipe. Malheureusement, bah, il n'y a aucune qui a répondu présente. Donc voilà, c'est une équipe composée uniquement de testostérone, n'est-ce pas? Et donc voilà, donc les 10 coureurs auront pour mission de faire aussi bien qu'il y a 2 ans. Nous avons terminé premier par équipe. Voilà, rien que ça. Une équipe bretonne qui prend la première marche sur le podium de la Diagonale des Fous. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Voilà qui est cette équipe et où est-ce que vous pourrez les retrouver, bah, sur le Bretagne Ultra Trail, notamment au mois d'avril. Et c'est pour ça qu'il faut que je m'entraîne un petit peu moi aussi, parce que dans l'équipe, il y a quand même quelques flèches, quoi. Il y a des gars qui ont terminé 7e, un Pierre, un Jérôme. Il y a des gars qui vont pas là-bas pour regarder s'il y a des champignons qui traînent dans les coins. Un Maël, un Sébastien, un François. Voilà, toute cette petite team là. Il y a un gars aussi, François Mathias, qui l'a fait. Ce sera sa 10e fois. Voilà, les gars, ils connaissent un peu le chantier, quoi. Donc du coup, moi, mon boulot, ça va être de vous partager leur aventure, leur histoire un maximum sur les réseaux. Et pour ça, bah, faut que je m'entraîne un petit peu aussi, parce que il va falloir que je sois capable de les suivre pour les filmer en live un maximum. Je vais essayer de faire un vlog de mon voyage. Je dis bien essayer, parce que bah, j'ai pas 8 bras, hein, je suis pas un poulpe. Et filmer en live, prendre des photos, faire des publications sur les réseaux et en même temps faire un vlog avec ma GoPro, ça risque d'être compliqué, mais j'ai envie d'essayer de relever le défi. Voilà, pour tous ceux qui y sont et qui auront envie de qu'on se fasse un petit check, et ben ce sera avec grand plaisir. Et voilà, footing terminé. Bon, l'objectif était clairement d'y aller tranquille, courir tout du long, même dans les côtes, même dans les chemins techniques, histoire de vérifier que la forme était là. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à, on se retrouve sur le caillou.